parti. On est parti sur de la recherche et destruction. Deuxième carte, je n'en ai plus le live. Ne vous inquiétez pas, je verrai avec ce JP. Ne vous inquiétez pas. On est parti sur de la recherche et destruction. 4v4, Deserto. On est le tournoi du vendredi 22 mai 2015. Et c'est la finale de ce tournoi. 4v4, Deserto, règle Deserto. Sur PlayStation 4. Et pour l'instant, Casey qui va tomber. Les T4 qui jouent tellement agressifs en R&D, c'est un truc de fou. On va fermer les paris maintenant. Et on va voir comment ça va se passer. 1-0 pour ces T4 pour l'instant. Les T4 du côté Atlas, les Sentinelles du côté les jonctions du côté Sentinelle, les T4 qui ont déjà remporté la première carte, qui mène 1-0 dans ce BO5, dans cette voilà, best of 5. Oh là là, Casey qui rate son shoot au scope, malheureusement. On va suivre la suite et on va fermer les paris. Et après vous, on verra s'il sort de JP machin. Et je crois qu'il peut pas ban. Les admins peuvent pas ban, je suis pas sûr. Allez, Kelly qui va faire le kill. Et il faut pas ban, hein, il faut juste kick. Hein. Allez, Casey qui se retrouve en 1v1. Alors, est-ce que Jackson va faire... voilà, 38 secondes. C'est maintenant qu'il faut choisir... c'est maintenant qu'il faut jouer la bombe. Hein. Il est obligé. Voilà, allez, c'est maintenant. Il faut avancer. Et ouais, 30 secondes. Vous voyez, parce que... plus il met la pression... Ouf. Ouais, Jackson, il a compris. Faut faire gaffe. Allez, Jackson. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Peut-être un coup de couteau. Un partout. Dans cette recherche et destruction. Allez, Dizer. Allez, 4 contre 4 là pour l'instant. Les T4 qui ont bien repéré que c'était sur B. Pour l'instant, il n'y a aucune équipe, on est à la troisième manche, il n'y a aucune équipe qui a encore posé. Zéro pause là pour l'instant. Le bon kill de Jackson. Il s'est fait la vengeance de Froze. Le 2v2. Oh non, le hit. Aïe aïe aïe, c'est dur. Deliver qui va se retrouver tout seul. Deliver qui va se retrouver tout seul. 1v2, c'est aux jonctions de mettre le break. Sur jonction, maintenant ils ont l'avantage. Ils ont l'avantage numérique, ils ont l'avantage de la bombe. Ils posent. C'est posé. Deliver qui va tomber. Et le break qui va être mis par les jonctions. 2 à 1. C'était 4 qui n'ont pas réussi à bien prendre l'avantage sur leur adversaire. Malheureusement pour eux. Parti pour la suite. Allez, c'est parti. Le moins 2 qui a été fait sur les jonctions directement.
KD qui a repéré la bombe. Là, tu... là, Deliver, franchement, il a eu de la chance. Mais il aurait jamais dû rester. Il aurait jamais dû être là. Contre la mid, ça va tomber. Du côté, de ce côté-là. Avec Jackson. KD qui va faire le premier kill. Il en a un V3. Et il va tomber. La manche qui va être prise du côté des jonctions. 2 à 2 pour l'instant. Les T4 qui n'ont pas réussi. Ah, ils s'opposent. Ils sont tombés face à des... 2 à 2. Les T4 qui arrivent à prendre leur manche de break. De débreak, excusez-moi, puisque les... Les jonctions avaient fait le break. Allez, balance les grenades pour éviter le mid. Avec KZ. Alors, ils sont bien. Ouh, le hit de KZ. Frost qui fait le kill avec le coup de poing. Le bon back, c'est bien joué. Ah, c'est bien joué du côté de Jojo. Jojo floumé contre Dazer et Yak. Salut Perfect Zonzon, bienvenue. Allez, Dazer. Dazer qui a repéré, qui va faire le kill. C'est bien joué. Il reste plus que floumé du côté de CT4 là. 2 à 2. Floumé, est-ce que ça va être le break des jonctions, le break des jonctions. Le break des jonctions, tout est possible. Allez, ça a posé. Ça a posé. Du côté de Floumé. Floumé qui va se faire shoot. Le bon kill qui est pris. Le break qui est pris par les jonctions. Les T4 qui n'arrivent pas dans cette R&D. On va voir la suite de cette recherche et destruction. Le T4 contre les jonctions. Tout est possible dans cette deuxième carte. Allez, il faut absolument qu'ils mettent le débreak. Le premier kill qui est fait, le 3v3. Là pour l'instant, le bon double kill de Jackson. Il a bien pris ses deux. Oh, le triple kill! Ça joue bien, KZ qui va se retrouver tout seul. Le débreak, ça sent le débreak là. KZ qui va prendre un kill, c'est bien joué. La bombe qui n'est pas posée, toujours pas. KZ qui va charger. Le kill, ouf. KZ, oh, qu'est-ce qu'il joue bien. Qu'est-ce qu'il joue bien ce KZ. La bombe qui est posée, et là maintenant c'est Jojo qui a l'avantage. C'est Jojo qui a l'avantage. C'est KZ qui doit maintenant aller s'arracher pour aller essayer de désamorcer. KZ qui perd du temps. Allez, qui a décidé de désamorcer. Mais Jojo, il le sait. Oh, il fait le kill! Non, il n'y arrivera pas. Il n'arrivera pas à désamorcer. Jojo qui a très bien joué. Non, ça sera trop tard. C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Aïe, 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 aïe. KZ qui a pas réussi là. La manche de débreak qui est prise par ce T4. 3 partout. Le T4, c'est maintenant au T4 de confirmer le débreak. Et de repartir de plus belle pour essayer de gagner. De confirmer. Pour avoir un 4-3 je pense et faire la manche de break pour pouvoir terminer en beauté. Ça serait l'idéal pour ce T4. Mais les jonctions vont pas se laisser faire hein. Ça c'est clair hein.
Des jonctions qui font une belle R&D propre. Ça fait plaisir. Floumé. Oh le kill. Le gros kill là de Floumé. Ça fait plaisir de voir ça. Floumé qui a repéré. Floumé qui sait. Il a vu les... Oh là là, ça va tomber. 2v2. Jackson et Deliver. Yak qui a toujours pas posé. C'est toujours pareil hein. S'ils tentent pas de poser les jonctions là, ils vont perdre du temps. Ils vont perdre un maximum de temps. Faut pas perdre du temps là. Voilà, ça va poser. Ça va tomber. Ah, ça joue bien. Ça joue bien du côté de ce T4. Frost qui va tout de suite essayer de poser juste derrière. Ça joue bien. Ça fait la pause. Frost. Oh là 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 là. Et pourtant il regardait du bon côté. Il savait que ça allait venir par là. Malheureusement. Jackson qui va les désamorcer. C'est très très bien joué. La quatrième manche qui est prise par ces T4 qui viennent de confirmer leur supériorité en défense. On va voir s'ils vont réussir à nous faire le break. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça, ça peut être quelque chose de très très intéressant même. Allez, c'est parti. Jackson ! Non, ça va tomber. Allez, Floumé. Essayez de faire quelque chose. Ouh, qui prend le gros kill là. Le 2v2. Ah là là, ça va tomber. Sam Deliver qui se retrouve tout seul en 1v2. Il va balancer ses deux petites grenades. Tâter un peu le terrain. Non, il voit pas. Il ne voit personne. Sam Deliver, qu'est-ce qu'il va risquer? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors là, s'il tente une pause A, à mon avis, ça pourrait le faire. Non, il va peut-être essayer. Non, il va essayer de faire le tour du B. Il va essayer de faire le tour du B. Ça peut être bien. Il a repéré. Il va faire le premier kill sur Dizer. Non, mais c'est toujours pareil là. Deliver, Deliver, t'es en attaque. Il faut que tu ailles poser. Absolument. Reste 15 secondes. Ah, il décide d'aller poser sur A. C'est c'est très bien joué de sa part. Il sait que ça venait du B. Il a vu que ça venait du B. Il pose sur A. Ça, c'est bien. Il sait, il savait. Il savait. Deliver, ça, ça s'appelle le brain. C'est-à-dire que Deliver, il a vu que ça venait du A. Il a fait le kill sur A. Donc, il savait très bien que l'autre allait se ramener sur A. Il a fait le kill sur B, etc. Donc il savait très bien que l'autre allait se ramener sur B. Donc il est parti directement sur le A pour aller poser. Il a fait la... Il a fait la pause. Et ça va être la manche décisive pour ces T4. Ils n'ont qu'à confirmer leur break. Les jonctions qui doivent absolument faire le débreak et confirmer juste après pour pouvoir être encore dans la course de cette R&D. Je rappelle qu'on est en deux manche, deuxième carte de cette finale. Ouf, Sum Deliver qui commence directement avec le gros kill. Sum Deliver qui a repéré. Ah non, qui arrive pas à faire le kill là. Un peu trop. Frost qui se retrouve tout seul en 1v3. Et ouais, il l'avait pas repéré. 3-6. Victoire de ce T4 dans cette R&D. Deuxième manche, deuxième carte de cette finale. Et on va partir sur la troisième carte, qui est une capture de drapeau, si je ne m'abuse. C'est une capture de drapeau ou c'est une... Attendez, est-ce que là, vous me faites le... me donner le doute. Je crois que c'est une capture de drapeau. Ah non, c'est de l'uplink sur D3. Et après, de la capture de drapeau sur Ascend, si on va jusque là.